C'est en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 30 août 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans votre dernier sorti journal la Gazette Créole pour ce maintenant, mais quelques points pour nous développer dans le journal ça. Policier Jean Anderson, quant à toute madame Nathalie Michel, la journaliste station pour implication présumée dans l'assassinat Nathaniel Medjina Michel, mercredi 28 août passé dans Delma 75. Nathalie Michel, c'est ce victime, c'est un conflit familial qui est lié avec la vente Yonkai qui t'a origine crime ça. Néa baïa PNH la aka FADH la aïe yon don 400 kits protection chaque kit sa yo gagné yon casse pa balle yon gilet pa balle poche pour divers chargeurs ak radio cagoule gant lunettes protection ak genouillette tactique États-Unis Canada en bien yon même tout offri Haïti yon lot matériel télécommunication pour PNH la mais capable renforcer capacité la nan lit contre opération contre nèg examen aussi tout. Et maintenant, personnalité CARICOM yo encouragé pour mettre sous côté membre conseil et présidentiel là qui gagne dans la capacité dans le scandale corruption avec BNC pendant une rencontre avec acteur accord 21 décembre yo contre avec ça Pascal Adrien confirmé il fait qu'on est cependant 21 décembre attendre conclusion enquête ILCC pour décider sous son représentant en 21 décembre dans CPA en parlant de lui Gérald Gilles Metsonné Saint-Louis en Bendil l'étonné lui saisi ce petit gros libre après décision trois conseillers présidents vous présenter des propres volontés par eux dans ULCC avocat ancien président conseil d'administration BNC à Raoul Pascal Pierre lui en bien qualifié des matchs ça à une tentative diversion qui visait empêcher bon genre déroulement enquête ULCC à mener unité de lutte contre corruption organisée à jeudi à un atelier présentation diagnostic à loi 12 mars 2014 là sur prévention à répression corruption dans hôtel Caribe Juvena des matchs ça visé d'après directeur général ULCC à Anjac lui du Joseph pour mettre ou bien pour intégrer chaque citoyen dans l'effort collectif pour instaurer bonne gouvernance et puis garantir respect éthique publique en Haïti. Initiative départementale contre traite trafic à Timon condamné viol dans date 20 août 2024 là sur Timon 14 l'année c'est papa là en Selma Altemius 37 l'année qui s'est huissier dans tribunal des pères Ansdeno qui violait propre petite fille Timon ça qui t'a vu Port-au-Prince était obligé courir retourné ville vivre avec parents dans Ansdeno gardance à cause insécurité nèg examen meté dans Port-au-Prince en ben papa demoiselle ça en Selma Altemius Termius pour qu'on y a là, il prend bon genre couleur, il n'a marron pour qu'on y a. Vous êtes brèche à tourner pour développement.ca. Pour présenter au journal ça, il y a Harry Junior Désir, Raphaël Monev, technique, bien aimé quoi, c'est Léon Kerr Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Policier Jean Anderson quant à agent 2 qui affecté dans Udmo l'Ouest 1 à toute madame Nathalie Michel, une arrestation pour implication présumée dans l'assassinat Nathaniel Medjine Michel dans date mercredi 28 août 2024 là dans Delma 75. Nathalie Michel, c'est ce victime là, mais c'est un conflit familial à cause d'un cas qui est à origine d'un crime là, d'après premier élément enquête à proximité la police menait en bain et Nathaniel Medjine Michel qui soutient dans 20 8e promotion PNH là assassiné mourir assassiné dans matin mercredi 28 août passé alors que le tapra là dans travail li qui n'a antenne police de 75 en ben il était victime yon attaque dans zone Cassagnol 20 à Sénèg examen qui était dans une machine Mato talent croyeuse qui était fait attaque là d'après PNH ta promettre crime ça pas rester impuni et puis annoncer une enquête qui l'ouvrit bon côté DCPJ dans l'idée pour joindre tout auteur co-auteur complice assassinat policière Nathaniel Medjine
Michel. Ambassade de République Chine Taïwan en Haïti remet à jeudi un lot matériel par le gouvernement haïtien pour PNH la force d'armée d'Haïti. Mais c'est 400 kits protection individuelle. Chaque kit ça comprend et gagne là-dedans au casse en pare-balle, gilet pare-balle, poche pour divers chargeurs à radio cagoule, gants, lunettes protection à ingénieurs tactiques. Ambassade de Taïwan et à Wen Jianq renouveler engagement et République Chine Taïwan bon côté autorité haïtienne yon nan effort pour rétablir sécurité à la paix en Haïti en côté déclaration. L'amitié qui unit Taïwan et Haïti célèbre cette année son 68e anniversaire. Taïwan a toujours été aux côtés d'Haïti, non seulement pendant les bons moments, mais aussi et surtout dans les épreuves les plus ardues. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis conséquents qui nous donnent l'opportunité de témoigner notre solidarité et notre amitié mutuelle. Ainsi, c'est avec fraternité que je me trouve parmi vous aujourd'hui afin de permettre au gouvernement haïtien à l'aube de 400 kits de protection individuelle que vous pouvez voir habillés sur le mannequin devant vous. Chaque kit comprend un casque par balle répondant aux standards balistiques NIJ3A, un gilet par balle répondant aux standards balistiques NIJ3, des poches pour divers chargeurs et radios, des cagoules, des gants résistants aux coupures, des lunettes de protection et des genouillères tactiques. Avec ce temps, la quantité de kits de protection individuelle que nous avons remis au gouvernement haïtien dans l'espace de 2 ans atteint 800 kits au total. Monsieur le Premier ministre, c'est avec le cœur pincé que j'ai suivi votre intervention hier quand vous étiez au chevet des policiers blessés dans les opérations. Nous devons garantir la meilleure protection aux policiers qui travaillent au front de la lutte contre l'insécurité pour qu'ils puissent mener à bien leur travail. C'est ainsi, je suis ravi de pouvoir vous remettre ces kits de protection individuelle destinés à la PNH et à la FADH. Je suis confiant qu'avec ces équipements de Made in Taiwan fabriqués sur mesure selon le climat haïtien pourra fournir la meilleure protection aux agents déployés sur le terrain. En tant que citoyen taïwanais ayant effectué ces services militaires, je peux aussi vous garantir que le niveau de protection balistique de ces équipements dépasse celui de l'armée taïwanaise. Car quand il s'agit d'aider des amis, il faut fournir la meilleure qualité. Monsieur le Premier ministre, par le biais de cette cérémonie d'aujourd'hui, je tiens aussi à vous réitérer l'engagement inconditionnel de Taïwan auprès d'Haïti. D'autres chantiers de coopération pour rétablir la paix en Haïti ont franchi l'étape de la discussion et sont en voie de concrétisation. Notre engagement dans ce domaine sera non seulement constant, mais encore plus focus. Au tout côté déclaration, ambassadeur taïwanais dans le pays d'Haïti, Ruen Chan Kyo, premier ministre Garekoni, exprime reconnaissance pays d'Haïti pour côté gouvernement à Kapeu, par taïwanais pour GESA qui traduit d'après sa lui-même engagement en République Chine Taïwan pour côté pays. Docteur Koni a bien noté matériel saillot pour renforcer la capacité opérationnelle PNH à KFADH. Garekoni. C'est avec une profonde gratitude et une espérance renouvelée que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette cérémonie de remise de matériel de protection à la police nationale d'Haïti et aux forces armées d'Haïti. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre sincère reconnaissance au gouvernement et au peuple de Taïwan, représenté ici par son excellence ambassadeur de Taïwan en Haïti, pour ce geste fraternel et solidaire à l'égard de notre nation. Cette donation ne constitue pas seulement un apport matériel, elle est le reflet d'une amitié sincère et durable entre Haïti et Taïwan, deux nations qui partagent une histoire de lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie. À travers ce geste, Taïwan réaffirme son engagement à nos côtés dans notre quête commune de sécurité et de développement. Comme l'a dit Charles de Gaulle, il n'y a de réussite véritable que celle de l'effort solidaire. Et aujourd'hui, cet effort se manifeste ici de manière éclatante. Parmi la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti sont les boucliers de la République, les gardiens de la paix et de l'ordre. Pour qu'elles puissent remplir cette mission sacrée avec efficacité et honneur, il est impératif qu'elles disposent des ressources nécessaires, d'équipements modernes et d'une formation continue. Le matériel offert par le gouvernement de Taïwan vient renforcer cette capacité opérationnelle de nos citoyens. Nous vivons des moments où la tempête gronde.
où l'incertitude règne, mais de ces moments de grande adversité que nous aurons la force de nous relever. L'essentiel est toujours se relever, toujours se mettre en marche. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mettons un pied devant l'autre pour bâtir un avenir de paix et de stabilité pour notre pays. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour, nous n'assistons pas seulement à la remise de matériel, nous prenons un engagement commun, une vision partagée d'un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère pour Haïti. Taïwan s'est toujours montré un allié loyal et généreux, et cette collaboration renouvelée est le témoignage vivant de notre partenariat robuste et résilient. À travers la presse aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aussi à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. C'est avec une immense fierté et un profond respect que je m'adresse à vous. Votre engagement de fils en ces temps troublés ne cesse d'inspirer la nation entière. L'histoire de notre pays est marquée par la gloire de 1804 que nous avons toujours démontre que nous avons toujours su surmonter les épreuves les plus soumettes. Et c'est avec cette même détermination que nous nous battons pour notre avenir. Vaillants policiers, vaillants soldats, vous qui êtes les gardiens de notre sécurité et de notre souveraineté, vous portez sur vos épaules le lourd fardeau de la défense de notre patrie. Le peuple haïtien sait que vous vous sacrifiez et il vous est infiniment reconnaissant. Je vous exhorte à continuer cette noble mission, car c'est avec votre force et votre résilience que les ombres qui s'étendent sur notre nation. En recevant ces matériels, nous nous engageons à les utiliser de manière judicieuse pour le bien de tous. La sécurité est la base sur laquelle repose le développement de notre pays. Ensemble, avec le soutien de nos partenaires internationaux et la volonté inébranlable de chaque Haïtien, nous construirons une Haïti plus forte, plus sûre et plus unie. Au tout des déclarations Premier ministre Garry Conille, membre forme économique et social secteur privé affaire na Gonaïve, exige Premier ministre Garry Conille pour bailler police là dans la région matériel pour permettre force l'audio affronter gang exam dans cadre état d'urgence sécurité à John Bekejan. Face à remonter insécurité et exact violence dans le département de la Tibonite, particulièrement dans la commune Goumon et section qui avoisine Lyo, président Forum économique et social secteur privé dans la ville Gonaïve, notaire Remus Régis, mandé à quoi commandement police là et puis autorité gouvernementale Lyo, délivrer pressé matériel et moyens pour policiers capables de travailler sans problème pour éviter situation à venir exagérée. Notaire Remus Régis. Donc, Forum économique et social du secteur privé Gonaïve, mandé avec gouvernement Garry Conille, puis on prend toute responsabilité. Côté que, il était déclaré, département de la Tibonite, état d'urgence dans la zone ça, il faudrait bien que l'état d'urgence là devienne une réalité. On a demandé à PM Conille pour que l'IBA et la police moyenne, nécessaire, un, il fait face avec gang Savien, deux, il fait face avec gang la Croix-Péris, trois, il fait face avec gang Tibouadon. Et nous voyons plus loin, côté que c'est une guerre par procuration qu'a fait, surtout dans le pays d'Haïti. Mais on parle de guerre par procuration, ça veut dire que des acteurs sur le terrain capables d'agir contre le peuple haïtien, contre les malheureux, et tandis que les vrais acteurs, c'est eux-mêmes qui ont guidé. De l'autre côté, Remus Régis fait état de difficultés entrepreneurs rencontrés à chaque fois de rentrer avec marchandises dans la région. Un peu le business fermé, un peu le commerçant fait faillite, un peu l'entrepreneur, du coup, il a commencé à quitter le département, notamment Gonaïve, le business fermé. Et bien ça, il a saisi un peu le camion marchandise. Bien ça, il a obligé à payer rançon plus que marchandise qu'il a acheté. Et ça vient permettre qu'il a commencé à fermer le business. Et ça, il a eu de graves conséquences, surtout par le travail dans le pays. Remonter les violences gagnées dans le département, par suspendre inquiété divers acteurs et membres de la société civile dans la cité de l'indépendance. Ils continuent à chaque occasion, lever voix pour exiger intervention précipitée, autorité policière pour résoudre le problème d'insécurité qui doit dire. Djen Bekejan Gonaïve, Vision 2000. Il y a 21 militaires qui étaient formés dans le droit monde, en droit international humanitaire avec équité des gens, joignent certificat à jeudi. C'est une été déroulé en présence de plusieurs regards de FADH, la ministre de la Défense, Jean-Marc Berti, Antoine, un représentant de l'organisation droit monde et commandant en chef de la force armée d'Haïti, Derby Guéré, souligne l'importance de formation ça pour militaires haïtiens. Un coup de déclaration. C'est pour moi un honneur, en tant que commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la remise de certificats aux 20 militaires qui viennent de boucler une session de formation portant sur les droits humains, le droit international humanitaire et l'équité de genre les 12 et 13 décembre 2023. La mise en œuvre de cette formation vient à un moment où se posent avec intérêt les problèmes relatifs au respect et à la protection des droits humains
tant en situation de paix qu'en situation de conflit armé. Il en résulte l'impérieuse nécessité de véhiculer le respect des principes des droits humains qui sont actuellement au cœur des revendications sociales à travers le monde. Force est de constater l'effritement de cette valeur au point qu'il devient de plus en plus l'apanage des organisations de toutes sortes et une préoccupation pour les forces armées d'Haïti. Mesdames, messieurs les formateurs, vous êtes bien imbus du rôle important qui est dorénavant vôtre, infusé chez chaque membre actuel et futur des forces armées d'Haïti, le sens du devoir de protéger l'intégrité physique et psychologique de tout individu, qu'il soit haïtien ou étranger, et de n'utiliser que la force qui est strictement nécessaire pour contrôler toute personne en contravention avec la loi et présumée dangereuse. Nous profitons de cette occasion pour remercier les cadres du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, ceux du ministère de la Défense, les officiers et membres des forces armées d'Haïti qui ont eu à concevoir et élaborer un document qui sert de référence pour la formation de nos jeunes officiers et soldats. Il se pose alors la nécessité d'adapter nos codes, nos lois, nos règlements et notre manuel de justice militaire à cette obligation internationale. Je vous exhorte, chers récipiendaires, à vous surpasser pour faire du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire votre cheval de bataille, surmontant les éventuelles embûches qui peuvent se dresser sur votre chemin. Des déclarations commandant et en chef à IPNH, la Derby Guerrier, ministre défense Jean-Marc Berthier Antoine, les mêmes tout bas voilà contentement pour formation ça qui est arrivé faite pour les cérémonies de mes certificats en bain et est arrivé faite par rapport tout avec présentation manuel formation en droit de l'homme garde national là en côté Jean-Marc Berthier Antoine. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à cette cérémonie de remise de certificats et de présentation de manuels de formation en droit de l'homme de la garde nationale qui marque non seulement la fin d'un cycle d'apprentissage, mais également le commencement d'une mission d'importance capitale pour les forces armées d'Haïti. Cette formation, destinée aux formateurs militaires et facilitée par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, constitue un jalon crucial dans le renouveau de notre armée. Présentement, nous célébrons non seulement l'acquisition de nouvelles compétences par nos formateurs militaires, mais surtout le renforcement de notre engagement envers une armée moderne, respectueuse des droits humains, du droit international humanitaire et d'équité du genre. Ces valeurs, désormais intégrées au cœur de notre institution si prestigieuse, ne sont pas seulement des idéaux, mais des principes qui orientent chaque action de nos forces armées. Dans la conjoncture actuelle, cette nouvelle armée d'Haïti se veut professionnelle, disciplinée et entièrement au service de la population. Elle veut se conformer aux mêmes standards que ceux des autres armées de la région, en mettant un accent particulier sur le respect des droits de chaque individu et des valeurs démocratiques. Récipiendaire Moyo, cérémonie aujourd'hui, c'est un rappel sur l'importance formation sans compter qui gagne en dans la mer. Connaissance à compétence nous prend pendant formation ça, doit évoluer chaque jour. Dans un moment important ça, permettez-moi de saluer courage avec l'esprit sacrifice militaire nous, qui, qu'on y a bon côté la police nationale, ensemble avec agent mission multinationale appui à sécurité, à bataille, dans l'idée pour la paix et sécurité blaï dans tout raccoin pays. Engagement inconditionnel, jeune garçon et jeune femme, ça y est, c'est modèle dévouement, sacrifice et patriotisme pour nation. Sous leadership chef gouvernement, Dr. Gary Kony, nous travaillons pour chaque grain haïtien capable de marcher sans qu'elle saute en dedans pays.
Voilà, on tape côté déclaration, Jean-Marc Berti Antoine, qui est ministre en défense, sa formation, sa bio-intégration Nations Unies en Haïti, qui est organisé et il y a un récipient derrière, Major Rolls Billy Ted, qui remercie tout le monde qui a contribué à l'élaboration manuelle formation en droit de l'homme pour garde national, en côté déclaration. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier ceux qui ont rendu possible tout cela. En ce sens, nos remerciements s'adressent à l'État haïtien qui, par le biais de la primature, a adressé au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti la demande d'aide à la formation du personnel en droits humains, qui, par le biais aussi du ministère de la Défense, a accompagné l'initiative jusqu'au bout, et aussi par le biais du commandement de l'armée qui a décidé d'embrasser et de faire sienne cette démarche. Nos remerciements s'adressent aussi au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, notamment la police des Nations Unies, INPOL, et la section des droits humains du Bénin, qui a répondu favorablement à la demande de l'État haïtien en fournissant tout le soutien logistique et didactique à la rédaction du manuel et à la formation des formateurs. Aux officiers des forces armées d'Haïti et cadres du ministère de la Défense qui ont contribué à l'élaboration du manuel, plus particulièrement les professeurs docteurs Gracien Jean, Ricardo Augustin, et aussi à vous, chers récipiendaires, qui aviez participé à la formation des formateurs. Ce manuel est pour nous d'une importance capitale, car il permet de mieux outiller le soldat pour l'exercice de ses fonctions, tout en lui faisant comprendre qu'avant toute chose, il est un homme avec des droits, tout comme ceux qu'il est appelé à servir et défendre. Voilà, au tape côté déclaration, il y a un soldat force armée d'Haïti, Rolls Bitted Tesno. Oh ben, impatience populaire.